Alors pour moi, puisqu'on me pose la question, Marguerite Duras, c'est sans doute une des plus grandes créatrices du XXe siècle, pas seulement parce qu'elle écrivait des romans, des textes libres, des pièces de théâtre, des films, mais parce qu'elle était aussi cinéaste, c'est elle qui était à la caméra, et puis surtout parce qu'elle a une œuvre profonde qui va très très loin chercher les signes annonciateurs de ce qu'elle appelle l'écriture au futur. Elle dit l'écriture est déjà là, il faut marcher pour aller la rencontrer. Elle préexiste à nous. Et comme mon éditeur m'avait justement proposé d'entrer dans la collection de Francis Huster dans la peau 2, j'ai poussé le défi jusqu'à la limite du difficile et d'entrer dans l'âme d'eux. Et comme je connaissais bien Marguerite et qu'on était assez proches, qu'on s'écrivait, qu'on se téléphonait, qu'on se voyait, c'était intéressant de, avec la connaissance affectueuse et aimante que j'avais d'elle et la passion que j'avais de son œuvre, de faire que tout ça serve à un vrai portrait de l'intérieur, un portrait intime qui dit l'essentiel, qui va vers les grands thèmes de l'œuvre, les obsessions, les chagrins, les choses qu'il faut surmonter. Les choses dont il faut grandir et celles sous lesquelles il ne faut pas se laisser écraser, enterrer. Elle a été à la fois quelqu'un de déchiré et à la fois quelqu'un de qui, avec la boue de la vie, a pu faire de l'or. Et parce qu'elle aimait Baudelaire, alors je peux rappeler ce vers-là, mais on se parlait beaucoup, on était, ce qui est très intéressant sur le plan du vivant, on était intime sans être familière. On n'aimait pas la familiarité, mais on était intime, on se tutoyait. À la fin de la première rencontre, on s'est tutoyé. Et c'est vrai que son œuvre, pour moi, est une œuvre majeure. Et d'après les retours que j'en ai, il semblerait que je sois allée assez loin dans sa vie et son œuvre avec cette journée mythique, puisque j'ai écrit ce roman sur une journée, unité de temps, de lieu et d'action. L'action, c'est une méditation de Marguerite sur tout ce que fut sa vie dans une journée dans sa chambre rue Saint-Benoît. Pour la première fois aussi, je crois que je soulève quelque chose, c'est qu'elle se disait athée par passion pour ses amis communistes, parce qu'après la guerre, la fraternité affectueuse du communisme qui a fait que les gens ont pensé qu'ils pourraient changer des choses, c'était important. Même si elle a reconnu son erreur et si elle a dit « il n'y a pas de solution collective aux problèmes personnels, j'ai eu tort, je me suis trompée, etc. » Bien qu'elle ait dit ça, elle n'a jamais osé aller jusqu'au bout et elle n'a jamais osé dire à ses amis communistes qu'elle se posait des questions sur la vie spirituelle, sur Jésus, les évangiles, sur tant d'autres choses. Parce que c'est pas tant la religion qui est importante que la spiritualité, que de savoir qu'une part en nous est éternelle, l'âme. Et un jour, elle m'a même dit « tu sais, je ne peux pas croire qu'il n'y ait rien parce que ça serait enlever toute éternité aux passions. » Et quand elle m'a dit ça, qu'elle a dit un jour, j'ai vu des années après une journaliste, je me rappelle lui avoir dit « Si je comprends bien, tu veux bien instrumentaliser Dieu et le garder pour que tes passions soient éternelles. » Elle me dit « Il y a un peu de ça, je voudrais que l'amour soit notre part d'immortalité. » Et je trouve que c'est assez beau et c'est juste, parce que si on considère que Dieu est amour, quand nous sommes dans l'amour, nous sommes dans notre part immortelle, dans notre âme. Et je trouve que là, elle touche à un point essentiel. Mais bon, il ne faut pas me brancher sur Marguerite parce que je l'aimais infiniment et que là, on ferme les écoutilles, on n'en nage qu'à 3 h du matin.